par un Shoryu Saget qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken. Aïe 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 aïe. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Tortilla, elle est fuertée qui a deux doigts de remporter ce match, de sortir un grand maître. La chape aérienne, ça touche. Le cross-up qui est toutes les 57, c'est inadmissible. Non, 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 non. Incroyable, le dragon cancel avant un Shikiku Ultra. Je lâche mon casque, je me bats. Ultra Combo Finish! Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Coffre Versus. Un épisode extrêmement sympathique, s'il en est aujourd'hui, puisque ce week-end avait eu lieu le X-Mania 16. 16e édition du X-Mania, hein, les gars. 16e édition. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le tournoi a cartonné. Et si vous n'avez pas pu le regarder ce week-end, je vais vous en commenter le top 8 avec, on va dire, le top 7,5. Parce qu'il me manque un petit match du top 8 qui n'a pas été malheureusement diffusé sur le stream. Et probablement un très 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 bon match. Ainsi, nous retrouverons des joueurs comme Yaya, Yuvega, Noguchi Kurashi, Peko Kawasim, Tomo, TMF... Mao, qui est en équipe avec Ito et Futachan, la team Mao, Ito, Futachan, c'est la team Gantelet, la team Miten et bien d'autres, en tout cas je l'espère, pour les quarts de finale de ce X-Mania numéro 16, 16 X-Mania. Zagi, Sachunmi étaient là-bas, bien entendu, il y avait des Français qui s'étaient déplacés, il y avait Damdai aussi, il y avait... Un joueur italien, là, dont j'oublie toujours le nom, qui a pris plein de photos, du coup, durant ce X-Mania. C'était vraiment, vraiment, vraiment sympa de voir à quel point l'engouement pour Super Street Fighter 2X était grand, mais aussi à quel point les joueurs se sont tous extrêmement amusés. 2X qui reste très, très fort, notamment en France, hein, qui a montré sur le chat de Twitch à quel point ils étaient présents. Et oui, BioWolf. Ce de l'Est, c'est terminé malheureusement. Place au coffre à versus avant de retrouver Mister MV en fin de journée. Alors comment s'est déroulé ce X-Mania? Comme d'habitude, le X-Mania a eu une étape solo, un tournoi solo qui n'est pas spécialement un tournoi très sérieux. Et le tournoi Team 3 versus 3 qui est le véritable format de ce X-Mania. Pourquoi est-ce qu'on a l'habitude de jouer à 2X en 3 versus 3? Eh bien c'est parce que en 3 versus 3 cumule deux avantages qui permet de... entre guillemets, rééquilibrer un peu le jeu. Premier avantage, le 1 match gagnant, quel que soit le match dans lequel on fait, qui permet, en cas de domination, on va dire, ponctuelle d'un joueur lors d'un round, de renverser des match-ups qui sont parfois difficiles. La deuxième chose, c'est le fait de pouvoir combler justement des match-ups compliqués avec d'autres personnages à l'intérieur de l'équipe et de mettre plus de chance partout. Cela dit, quel que soit le plus de chance partout, avec des équipes arrivant en finale comme Yaya, Sozo, Kawamata ou Yuvega, Noguchi, Kurahashi, je dois bien vous avouer que c'est pas de la chance qu'il faut dans ce jeu. Il y a une team extraordinaire composée de Shogatsu, Kusumondo et Kekewai, extraordinaire aussi. J'ai compilé donc les VOD qui ne sont pas disponibles pour le moment sur YouTube, uniquement sur le Twitch Mikado _ SSF2X. Vous pouvez revoir l'intégralité des matchs. Moi je vais vous commenter que la partie finale, on va dire, de ces matchs là. Et avec un petit bonus, puisque j'ai trouvé un moyen de gommer le son des commentaires japonais. On va donc avoir du son de 2X plein les oreilles. Donc préparez-vous votre petite tasse, installez-vous confortablement. 2X, c'est durant tout le coffre à versus, il y aura deux coupures pub, je vous préviens tout de suite, puisque là la quantité des matchs dure environ 1h30 et donc pas les 2h. Du coup, ne vous en faites pas, vous aurez votre temps pour suivre tout ça. Le premier match de ce X-Mania, c'est un quart de finale. Il va opposer la team Peko, Tokon et Kawasim face à la team TMF, Zangief, Nio, DJ et Ryuchan, Ryu.
un match, on va dire, pas forcément très évident pour l'un comme pour l'autre de ces joueurs. Vous avez actuellement un visuel de la salle Mikado, comme vous pouvez le voir, hein, les Gaijin sont ici, ils sont bien présents, et ça bourre le bouton start. Si jamais le son du jeu est un poil trop fort, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je le baisserai immédiatement. Le premier match va donc opposer TMF face à Peko. Donc Peko Holdken, TMF, l'un des meilleurs joueurs de Zangief, avec Pony et avec d'autres joueurs comme ceux-ci qui sont assez intestables, hein, je dois bien vous avouer. Et les mecs arrivent à monter Zangief, qui est quand même un des gros lotiers du jeu. Très très haut. Oui, le son du jeu est à gauche et le commentaire est à droite, exactement sapin. C'est pour ça que là vous avez donc le son du jeu en mono. Ne paniquez pas, mais c'est pour juste gommer les commentaires et avoir le son du jeu assez haut dans l'oreille. Ça permet eh bien de profiter quand même du son incroyable, hein, qu'offre de Zix, et de s'immerger un peu plus. Vous voyez un TMF qui, malgré un versus difficile, hein, contre Holdken, a remporté ce premier round. Peko qui a eu, on va dire, le mauvais réflexe de faire un saut petit point de trop loin, qui s'est fait choper la retombée. Ah, et ça c'est magnifique. Lariat Whiff sur recover du Lariat 360 sur la passivité. Alors, en fait, c'est assez marrant dans le jeu, c'est que vous pouvez autant faire un titre trop actif, c'est-à-dire taper dans la garde, activer la garde et choper à la fin de la garde, que faire un titre trop passif, c'est-à-dire activer la proximité garde et choper dans cette proximité garde. À chaque fois que la proximité garde est activée, généralement, eh bien le joueur a une chope quasiment tout bénef. Kawasim s'était lancé du côté de la team de Peko. Évidemment, match-up assez compliqué, mais vous savez, à la limite, qu'est-ce qu'on en a à foutre, hein, que le match-up soit compliqué dans 2x. On va voir comment TMF, sur cette première mise au sol, réussit à courir après Kawasim, qui a quand même une grosse espace de fit. Il a mis stun sur le premier round, il a réussi à le taper pas mal. Et ce dernier a pris beaucoup, beaucoup de coups. Mais hélas, il avait juste anticipé la téléport. Il faisait saut gros point, saut arrière-bas gros point, il pouvait le mettre stun. Et après, un 720 aurait pu peut-être suivre s'il avait choisi quelques coups spéciaux. Très bonne chop réflexe sur ce saut moyen pied, a touché un tout petit peu trop haut. Et du coup, le 360 n'est pas possible à retomber. Quasiment que des doubles touches, hein, sur Dalsim. C'est que le 360, dont l'animation dans le vent est effectif, hein, avec Zangief, ne trouvera pas malheureusement la distance idéale pour pouvoir choper ce Dalsim. 360 qui est absolument vital pour TMF, qui a un avantage à l'énergie très léger, mais qui ne doit pas se jeter dans Yoga Flame ni dans Yoga Inferno, qui peut assurer des dégâts de grattage et surtout la gagne pour Kawasim à cette distance de vie, c'est-à-dire à ce niveau d'énergie restant. Enfin, le match-up est appliqué à la perfection. Stadium Kick qui renvoie malheureusement TMF dans les choux. Et un BMP à l'intérieur du Lariat qui donne le 1 partout. Match-up de la base, exactement. Ouais, c'est dur et ça fait grincer des dents. Hein. Ça fait vraiment grincer des dents. Et que voulez-vous, parfois on n'a pas trop le choix dans le jeu à part souffrir. Et là, c'est possible. Même si c'est pas évident, c'est possible. Le DJ de Nioh. C'est un DJ que je ne connais pas personnellement, mais s'il est ici en quart de finale, c'est comme lui, il y a une raison, et une grosse raison, puisque le stun est déjà là. Et que derrière le stun, il y a souvent la mort. Hein. Saut MK, bas gros point, saut bat, bye bye le Dalsim, dans les choux. Hein. Et tout ça est parti juste d'un saut moyen pied glissade, qui a fait 2 hits, et qui a suffi au DJ pour tout simplement prendre un avantage total. J'aime beaucoup le saut vertical petit pied. Il fait double touche sur le zoning du Dalsim. On va dire des situations de poke qui sont des situations de égalitaire, où on ne perd pas l'avantage sur ce genre d'échange là. La super chargée, le Gafire doit être utilisé avec précaution. Allez, dès qu'il a fait bas gros point, il y a eu un saut gros pied. Nioh qui continue de presser, il est en avantage à l'énergie, il va glisser pour conserver sa charge, super dans la garde histoire de gratter un peu. Le but est évidemment d'arriver au corps à corps pour placer un Yoga Inferno, c'est pas passé ici, raté. Et voici ce DJ maintenant bien, puisque il mène 2 à 1. Et le truc, c'est que ça va être un autre, ça va être Token, pardon.
qui va devoir faire le travail de Kon et sa Chun-Li. Nio qui n'a qu'un point de retard et là ça fait ça fait le Kawasim qui est perdu, Tokon qui est seul maintenant, 2 à 1, leur équipe en difficulté. Avec un match-up de DJ à gérer, qui est gérable hein. De toute façon avec Chun-Li tu peux gérer presque tout le cast à part Old Sagat. Ça qui est assez merveilleux on va dire avec ce personnage là, c'est qu'il a des défauts et c'est pas le... Il domine pas totalement tous les persos mais il peut s'en sortir contre tout ça. Par contre ça a de la chance qu'il soit pas stun hein. Spinning Board à relever, ça touchait un hit. Du coup ça lui a permis d'avoir au moins un block stun qui permette de ne pas se faire punir. Mais un Jackknife l'aurait séché. Jackknife il n'en aura pas. Nio évitera ce Kikoken. Et lui s'offrira une balle de match là-dessus. Tokon qui est pas très bien dans le match hein, quand même. Hein. Balle de match contre lui, son équipe contre sur lui. Juste après, il y a un Ryu, le Ryu de Ryu-chan. Quand même assez fort. Tu es le DJ, il veut rien entendre. Hein. Tu sautes, c'est BAMK. Il va aller à tous les dégâts de grattage possibles et imaginables. C'est même pas comment il va faire pour s'en sortir là. Tokon qui a légèrement l'avantage à l'énergie, qui du coup veut même pas essayer d'embrouiller. Très bon BAMK pour éviter le saut vertical. Alors ça va être stun. C'est le stun et ça sent la mort. Et bien voilà, c'est réglé. La mort est là. Alors sauf erreur de ma part. Et bien la team TMF Nio et Ryu-chan remporte donc ce match et se qualifie pour la suite. Alors est-ce qu'il va y avoir rematch rejoué? Je crois que c'est terminé. Hein. Mais je crois que ce DJ a emmené quand même son équipe en demi-finale. Truc qui me semble extrêmement étrange en fait. Puisque... avec les résultats que j'avais, c'était pas ça exactement ce qui s'était passé. Ouais, si c'est ça. C'est ça, bah écoutez, on va voir si on les retrouve en demi-finale ou si je me suis tout simplement trompé dans mes notes. Je me suis peut-être trompé dans mes notes, mais ça me paraît très étrange hein, quand même. Hein. Très 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 étrange. Bizarre. Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. En tout cas, on est là. L'or mode-là de Mister MV te pompe toutes tes viewers. Non, 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 mais c'est cool. C'est coffre à versus. C'est vrai que... Face à Toll, le coffre à versus prend un peu, mais ça va monter, hein, vous en faites pas. Les gens sont là. Donc là, ce qui est super étrange, c'est que ce Dalsim ressemble comme deux gouttes d'eau à Kawasim. Et que là, il y a bien un rematch. Attendez, c'est bien ce que ça. Hein. Alors là, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi est-ce qu'il joue le rematch Kawasim contre TMF? C'est en deux le tournoi? C'est en deux, il y a une histoire de deux vies. C'est en deux, d'accord. Toll ou 2X et 2X, c'est en deux, hein. C'est les phases finales, d'accord, il joue tout en deux. Ok. Il joue tout en deux. C'est bizarre. J'ai essayé de rien me spoiler, en fait, hein, pour éviter de... Bah, pour tout simplement éviter de... De voir, tu sais, j'ai pas regardé les phases finales en entier, justement, dimanche. Et je me suis pas spoilé ces vidéos que j'ai juste enregistrées sans regarder mon écran. Donc, FT2. Et ok, c'est parti. Bah, c'est très très bien si c'est FT2. Ça donnera un peu de piment à ce X-Mania. Les matchs de son de 2X qui vont généralement très très vite. Ouais, vous compreniez rien aussi, hein. J'ai hold, d'accord, ok. Je me disais bien aussi qu'il y avait... C'était bizarre. Mais en tout cas, c'est le même match, hein. C'est complètement le même match qui est en train de se jouer juste ici. Ouais, arrière petit pied, là le match-up est en train de s'impliquer. Je pense qu'ils ont dû perdre le Janken sur l'échange. Et que du coup, ils se retrouvent à présent bah, dans le match-up défavorable d'entrée. Et je pense que Kawasim va pouvoir jouer son Vatu là-dessus. Un très bon chop de l'ours. Franchement, ça passe suivi. Ça va mieux avec Karaté depuis samedi, mais ça va avec Karaté. Ouais, c'est vrai, X-Mania en FT2, on se dit c'est super bizarre, on n'est pas habitué à ça, mais ça joue le non-embrouillage. Très bien, moi, c'est cool, hein. X-Mania en FT2, moi, je le joue depuis le... Je le joue, hein, y a aucun problème, hein. Le tournoi en team en FT2, c'est toujours un peu bizarre.
Quand est-ce que je commence mon training intensif sur Guilty? Bien écoutez, dès que j'aurai trouvé un peu de frame et de motivation. Voilà, c'est match-up direct qui prend en pleine tronche. Il a raté le soir arrière-gros point, mais celui-là, il ne le rattrape pas. Parfait. Parfait pour Kawasim. 1-0. Et je pense que le mieux pour affronter Dalsim, ça serait d'envoyer... D'envoyer Nio et son DJ. Il l'a déjà fait. Il peut le refaire. Est-ce que je parlais du Summer Jam dans Meurs pas sans ton pif? Ouais, je me suis endormi devant, donc je connais pas les résultats. Mais en fonction des résultats, peut-être un peu, ouais. Après, le Meurs pas sans ton pif sera un Meurs pas sans ton pif un peu spécial cette semaine. Normalement, avec un invité et un focus sur KOF 13. Après, j'ai toujours pas de nouvelles de Monsieur Karaté, mais... On verra en tout cas, je vous en dirai un peu plus de ce Meurs pas sans ton pif. Retour sur ces matchs en tout cas. Et le DJ de Nio qui a réussi hein, à le faire une fois. Mais je pense qu'Awasim, quand même un des meilleurs Dalsim du Japon, avec KKY et Akase, lui, il a à mon avis du mal hein, à encaisser le fait qu'il ait perdu contre ce DJ juste avant. Là, il tient tellement bien son Dalsim que c'est ultra dur pour le moment de passer outre. Ouais, gros point. Le gros pied qui est cassé par ce gros pied. Il est légèrement en retard. Il prend un bas moyen point juste ici. Et le bas MP qui va se soustraire au time over. Un Dalsim dur à approcher. Il ferme bien le versus. Et il a raison. Il sert à rien d'aller embrouiller DJ. Ah, c'est bon. Ça te fait ressort arrière gros point comme ça. Ça met des dégâts. Une grosse pression directe. Vous voyez comment reprendre l'avantage hein, avec Dalsim. Surtout ne jamais casser la distance. Il y a une distance à laquelle Dalsim est assez à l'aise. C'est la distance à laquelle il peut taper. Et toucher justement DJ. Parce que vous voyez, contrairement à Guy, où c'est la fête du slip, il peut passer sous les Sonic Boom quand il veut. Et bien là ça n'est absolument pas le cas. Il ne peut pas passer sous les Sonic Boom quand il veut. Il doit faire super attention à comment il tape au travers des Air Slasher. Et dès que son adversaire a sauté, il a eu l'intelligence. C'est super ce qu'a fait Dalsim, c'est super. Magnifique, grosse carotte. Il a fait saut en haut, s'il a saut, il a pas eu le temps de buffer de toute façon le jackknife. Du coup il a fait drill, safe. Il l'a pressé, a pris l'avantage positionnel. Le DJ en planning a piffé la super. Il a anticipé le pif de super. Fait saut arrière, drill, l'avantage était trop important. Et Kawasim remporte ce truc là. Peut-être sur KOF 13 je vous dirais. Peut-être, hein. C'est pas sûr, mais peut-être. Donc voici le Ryu de Ryu-chan que nous n'avions pas vu jusqu'alors. Puisque ce dernier n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer. Yoga Blast, tu sors pas du coin. Coucou, je panier. Heureusement, ça, j'adore ce Tatsumaki paroli parabolique pour sortir de là. Mais ce Arplexus a été un peu trop présomptueux, je pense. Il aurait dû, sur le bourrage de Chop, faire Solar Plexus super. Ça aurait mangé le bourrage de Chop. D'accord, dragon mis au milieu d'écran. Il a eu quand même l'espoir de déchoper à la retombée. C'est vrai que Dalsim n'a pas grand chose hein, comme punition. Il peut faire des petits deux hits. Finalement, la chope est le mieux qui peut lui arriver. Il a essayé d'instant de toucher avec son gros point. Mais il est arrêté. Ah, ce yoga flemme. Et bien voilà, un partout si j'ai bien compris, sauf si un match a été joué sans ça ait été vu. C'est possible hein, qu'un match ait été joué sans que nous l'ayons vu. Mais il a beaucoup piffé. Hein. Il y a un son Skype. Ah, c'est le Skype de Giga Etienne, excusez-moi. Alors attendez, on va essayer de fermer le Skype de Giga Etienne. Voilà, je ferme le Skype de Giga Etienne. Impeccable, j'ai fermé le Skype de Giga Etienne. Désolé. Alors, est-ce qu'il va y avoir match ou pas match?
C'est possible, hein. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait deux streams dans ce... Enfin, deux streams. Il y avait deux secteurs dans ce X-Mania. Il y avait plusieurs bornes. Et que tous les matchs ne se sont pas joués sur toutes les bornes. Ainsi, je crois que d'ailleurs, la première demi... le premier quart de finale qui oppose Yuvega, Noguchi, Kurashi à une autre équipe ne s'est pas joué. Je crois que c'est terminé. Je crois que sincèrement que c'est terminé. Et que ça va jouer un autre match. Alors j'ai peur d'avancer dans la vidéo évidemment pour ne pas vous spoiler le match suivant. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est terminé. C'est officiellement terminé. Ce match se termine donc prématurément sur la victoire de Peko, Toucan et Kawasim. Le premier match avait donc bien été joué en dehors de du stream. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. Ils ont joué le premier match hors stream là. Enfin, ils ont pas diffusé les quarts de finale en intégralité. Je suis désolé, hein. Tout ça est très décontenancé. Moi, j'ai repris le stream tel quel et ensuite, vous voyez, dans mon... Ah, putain, je peux pas vous montrer ça, ça va tout vous spoiler. Mais en fait, avec mon papier, j'ai noté les matchs qui ont été joués, etc. Mais j'ai essayé de pas tout me spoiler non plus. Du coup, j'avais le pressentiment que les matchs se jouaient en FT2. Là, j'en ai la certitude. Omnislash. Faut envoyer Mao à l'area du X-Mania Japon. C'est vrai que l'area, elle est à la piste totale. Mais ils ont un switcher de source qui permet de passer eh bien, d'une borne à l'autre. C'était assez cool. Mais là, je pense que pour les phases de finale, ils n'ont pas voulu le tenter. Allez, le match que vous avez actuellement oppose la team Hyde, Hide, pardon, Tomo et Mu face à la team Afo, Tamashima et Akase. Une team trop stylée. Trop stylé, Akase, le Dalsim, Tamashima, le boxeur évidemment, et Afo, le meilleur joueur de Blanca, si c'est pas garanti EX. Eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Akase qui est en train pour le moment de se faire subir un sale quart d'heure. Faut dire que c'est pas simple, hein. Les Dalsim qui font la loi, hein, généralement au Japon. Faut gros perso pour réussir à sortir de la team. Et là je vous montre que les quarts de finale. Mais en fait le X-Mania est rempli de matchs trop stylés à suivre. Le gros pied double touche à cette distance là, même avec la... Ouah. Ah c'est bon, il a réussi à mettre comme ça sur l'arpex pour rapprocher. La chope encore, qui réussit à déchoper. Ah non, faut pas biffer Dragon. Il y a encore un micro espoir. Mais la manipulation de sa super malheureusement s'est perdue dans le freeze de Akase. Il était tellement là. Non, avant Komoda, sincèrement. Malheureusement, Jol, je sais que vous adorez Komoda Blanca, mais Komoda Blanca, c'est un ancien qui joue plus trop. Hein, on le tient de Kusumondo. Autant Kusumondo a un niveau extraordinaire, autant c'est difficile pour Komoda. Afo est vraiment, vraiment fort. Et joue régulièrement. Idée, la Chun-Li. Face à ce Dalsim, la motivation. Mais vous voyez, Akase, en fait, c'est vraiment un véritable guerrier. Akase, c'est ça qui est incroyable avec lui. C'est que le mec va te jouer Dalsim en t'agressant perpétuellement. Tu Koken, drill au-dessus, et c'est lui qui a gagné. À ce rythme-là, il peut striker deux fois la team, hein, en quart de finale du X-Mania. Un très beau saut, gros pied pour casser le saut de Chun-Li. Et là, il n'y avait aucun coup qui pouvait faire double touche. Et encore une fois, drill. Et encore une fois, seul et glissade de hit combo avec la distance parfaite du Gafire. Pour avoir l'avantage de l'Okizem, on est sur des phases de perfect. Yoga Inferno, il a préféré se replier. Mais il est là, à pile poil la distance pour la gratter à la super. La pauvre Chun-Li essaie de récupérer quand même un peu de barre. Mais l'espoir est stoppé net. Sur ce drill. Dans le décalage de super cramé IX. C'est violent. C'est violent. C'est tout simplement violent. Et bien voilà le versus symétrique Dalsim contre Dalsim qui a donc lieu. Mu, le Dalsim gris affronte Akase. Dalsim c'est 5-5, il n'y a pas d'embrouille de match-up là. Oh, il fait Yoga Fire, Yoga Flame en 2 hit combo. Le Dalsim de Mu, il est en train de rien comprendre à ce qui se passe. Il se fait dérailler, c'est quoi ce Dalsim? Mais qu'est-ce que c'est que ce Dalsim? Bah c'est à casser, hein. Je fais le mec étonné, mais je suis même pas étonné. Oh, Drill, il a la priorité aérienne. Là il va l'empêcher de sauter. Non, il a attaché. Deux hit stun, hein. Deux hit stun. Il fait boum boum en contre. Brrr, stun direct, hein. 2x ça déconne 0, hein.
C'est tellement violent. Tellement violent. Et je pense que c'est pas le premier match qu'ils sont en train de jouer d'ailleurs, ces équipes là. Ouais, glissade encore. Ouais, encore une fois, glissade chop avec Yoga Flame. Yoga Fire, impossible de sortir de là. Il est tellement sous le pressing d'Alcimia. Fort heureusement, heureusement ce stun hein, qui lui a permis de prendre un avantage qu'il n'a jamais perdu. Mu sauve la balle de match. Un partout. Et le décalage Yoga, 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 Yoga. Oh là, quelle difficulté tout de même hein, dans ce X-Mania pour le pauvre Mu. Regardez ça, il n'y a pas d'anti-air, il fait le drill et ensuite deuxième drill. Et fait le drill exprès pour casser les glissades. Alors que lui pensait qu'avec la glissade il allait être bien, mais il n'y a rien à faire. Il réussit à anti-air ça, casser, il continue d'agresser, retombe sur Yoga Inferno, c'est terminé. Tellement de puissance. Tellement de puissance. Et bien voilà, c'était le deuxième match. Hein. Je crois que ça fait 2-0. Le premier match était joué aussi sur l'autre borne. Ouais, c'est très bizarre et très décousu. Je vous demande de, bah, de m'excuser. Hein. C'est pas absolument pas de ma faute si tout le match comme ça est décousu. Mais ce match scelle bien la fin du deuxième match du troisième match, pardon, de quart de finale. On va faire donc une première pause qui arrive très très tôt, mais ne vous en faites pas, tout est normal dans cette retransmission du X-Mania. Et on attaquera donc avec le deuxième quart de finale, le dernier, pardon, quart de finale, qui oppose Yaya, Sozo et Kawamata, donc une team composée de Sagat, Fei Long et Ryu, face à la team, bah la team du X-Mania, hein, la team championne en titre hein, d'ailleurs, Mao Ito Futachan, je pense une des plus grosses teams de Street Fighter 2X de tous les temps, hein. La team à la mitaine, et à la mitaine assez violente. C'est un peu dommage quand même que ce X-Mania soit... Déjà, c'est cool que ce soit retransmis. Mais que, tu vois, tout se soit précipité. Faut dire qu'ils ont commencé... Bah non, ils ont commencé tôt, finalement. Mais tout est précipité, du coup... voilà, t'as jamais tous les matchs comme tu l'aurais voulu. C'est un peu dommage, quand même. On profite pas de tout en intégralité. Mao Ito Futachan, hein. La même team que lors du Tougeki. Ah, les anciens, ça connaissent, hein. Allez, pause, on profite de la pause et on se retrouve juste après pour la suite de ce X-Mania, le dernier quart de finale. Est-ce que Yaya, Sozo et Kawamata peuvent le faire face à Mao Ito Futachan? On va le savoir tout de suite après la pub. A tout de suite. De retour dans le coffre à Versus, merci à tous d'être avec nous, d'avoir attendu les petites 5 minutes de pause. Oui, 5 minutes de pause, alors 5 minutes de pause. Grégory Hogel est rentré, il est venu avec plein de cadeaux pour tout le monde en plus. Il est super, super brillant. Moi j'ai pris le Toblerone gigantesque de Frédéric Go. Il t'a fait tant. Il est revenu pour des cigares à tout le monde, malheureusement, bah, mauvais pif. Je n'accepte aucun, même si c'est un cadeau, aucune forme de tabac. Du coup, je crois que je l'ai vexé. Va falloir que j'aille faire de la lèche à mon patron après. Ça se fait pas de refuser un cadeau, hein. Même si c'est des cigares et que t'en veux pas. C'est chaud, je crois. Non, je vais aller lui parler après, je pense, hein, parce que sinon, on va avoir des ennuis. Eh oui, ouais, c'est les cadeaux de Frédéric Gour, hein, c'est comme ça. On se fait plaisir, on est de retour donc pour ce X-Mania. Et c'est le dernier quart de finale. Yaya, Sozo, Kawamata va affronter la team Mao Ito Futachan, évidemment une des teams favoris du tournoi. Comment peut-on... Attends, on se détend. Comment peut-on être plus favori que ça, étant donné que les joueurs sont, au top du top du top de ce qu'on peut faire à 2X. Ce qui est assez incroyable. Un cigare dans la bouche, des milliers de subs. Est-ce que je joue à MGS5 demain? J'ai pas encore mon PC. Là, ils l'ont reçu à la boîte. Hein. Demain, c'est Giga Etienne hein, qui vous fait le Day One de MGS5. Hein, donc vous en faites pas. Mais revenons plutôt à 2X, c'est le plus important. Sozo, l'un des meilleurs Fei Long japonais, est en train d'écarteler Ito, le meilleur DJ du Japon, hein, tout simplement. Le joueur ex extraordinaire.
essayer de décaler Dragon, mais c'est pris un jackknife malheureusement dans son décalage Dragon ou décalage Chop. Je sais pas exactement ce qu'il a voulu estimer. Vous voyez l'agression de Sozo avec la déchoppe qui le met un peu dans la merde. C'est un devant-devant. Il a bien piffé jackknife au milieu du décalage ici. Et le air slasher repousse malheureusement Sozo qui est en train de subir le Kizem. Ashton plus cigare égale craqué. J'avoue. Malheureusement, le Riku Kiaku qui est passé de l'autre côté. Les pas stun. Mettre la garde. Aïe. Voyez là le problème quand tu prends le cross-up de DJ, c'est que non seulement t'es attiré vers lui, mais en plus le block stun permet tic trop et tu sais pas trop qui bourré, qui pas bourré. Et c'est souvent celui qui est en face de l'autre qui a l'avantage plutôt que celui qui doit se retourner. Qui est en position malheureusement de déchop. 1-0 pour Ito. Je pense que mettre Yaya est une bonne idée. Yaya, évidemment. Diminue le son du jeu. Le son du jeu trop fort. Je baisse le son du jeu. Un tout petit peu. Je pensais pourtant que c'était la même source audio que l'autre. Désolé. Les matchs durent 10 secondes max, ça en même temps c'est 2x, hein. Les mecs faut savoir. Hein. Vous voyez l'ouverture de garde d'Ito avec son medium kick sur un Tiger Shot long, il doit faire super attention Yaya sur sa façon de gérer Sagat, surtout dans le coin, parce que voyez en fait DJ c'est un broyeur de Sagat une fois que ce dernier a atteint le coin. Et vraiment le but du jeu c'est d'aller le pousser, de glisser, de faire jackknife au-dessus des Tiger Shot, et là il a la distance idéale. Franchement Yaya le sait, il n'est pas bien, du coup il essaye de se décaler, ce Tiger Knee vraiment assez dangereux et il le commet une deuxième fois. Ça va le son du jeu, d'accord. Ok, ça allait. Je le remets comme c'était d'habitude parce que moi j'aime bien quand il y a beaucoup de son du jeu. Allez, Yaya qui tente un Okizem. Ah, pourquoi elle n'a pas cancelé Dragon derrière ça? Le frame trap était parfait. Dragon ou Tiger Knee. Bas petit pied, stand like kick. C'est rare de voir des frame traps tels que ça qui ne sont pas que des petits trop. Ou des frame trap coup invincible. Dans 2x, il y a assez peu de frame trap en fait. Lorsque tu décales des coups invincibles souvent. Voilà, c'est comme ça que tu essayes de carotter un peu le pif. Mais tu vas pas pousser le mec à appuyer sur un bouton pour taper et provoquer un counter. Ça existe pas. Et du coup, Ito qui profite de ce petit raté pour mettre cette super. Et permettre à son équipe de mener 2-0. D'accord, ok. Ouais, grosse présence. Le Ryu de Kawamata. La même couleur que Kurahashi. Il ne faut pas les confondre. Les possibilités avec Ryu, hein. C'est, si vous voulez, en fait, Ryu a un avantage contre DJ. Qui semble être un perso à peu près comme Guile, tu vois, tu te dis c'est Guile. Le truc c'est que Guile, lui il a la Shotoki, il est avant MK. Et en fait en combat boule contre boule, projectile contre projectile, eh bien il est un tout petit peu mieux armé Guile. Je pense que DJ... Ouah, par contre si tu fais cette erreur là, bah ouais, après si tu fais cette erreur là, après moi je peux aider personne. Moi il y a un moment je veux bien faire tout ce que vous voulez, mais... Si le mec décale une balayette et qu'il veut prendre les super, Ito il va striker l'équipe. Tel que c'est parti, il va striker l'équipe. Qu'est-ce qu'il prépare? Il rate son Hadoken, il y a gros point qui sort à la place. Il se prend un gros décalage chape après un saut gros pied. Et retique trop. Oh là là là. Ito a balancé le Ryu de Kawamata à la poubelle. Alors est-ce que c'est fin? Où est-ce qu'ils vont remettre le match? Normalement, c'est en 2. Je vais vérifier. Ah! Il me semble que c'est terminé. Ça annonce généralement la pause du truc. Du coup, eh bien, on a les quarts de finalistes, les demi-finalistes, pardon, de ce tournoi. Donc, c'était le deuxième match. Pareil, ils ont joué un match et puis l'autre match ici. C'est pour ça que t'as l'impression que le tournoi, il est en 1, mais en fait, il est en 2. C'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça avec des matchs qui se sont supprimés. Du coup, alors si je ne dis pas de bêtises, eh bien nous allons avoir en demi-finale, première demi-finale qui va opposer la team Yuvega, Noguchi, Kurahashi, grosse team, face à la team Mao, Ito, Futachan.
Je pense que cette demi-finale, elle va à jamais rester dans les mémoires, tellement l'affiche est extraordinaire. Et en deuxième demi-finale, nous avons la team Afo Tamashima Akase contre la team Peko Tokon et Kawasim. Que des grosses équipes en quart de finale. Et ce top 4 de ce X-Mania qui se pose vraiment, vraiment là. On va aller chercher les phases finales. Les voici. Et c'est parti. Première demi-finale de ce X-Mania. Je crois. Ou pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce match? Qu'est-ce que c'est que ce match? Mais qu'est-ce que c'est que ce match? Je comprends plus rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ce match? C'est censé être une demi-finale là. Là je vois... Ah non, c'est le dernier quart de finale. Attendez, c'est peut-être le dernier quart de finale qui a pas été joué. C'est possible. Ah mais à ce moment-là, je sais pas. C'est ça, c'est Kurahashi. Je crois que c'est Kurahashi. Oh là là là. C'est très difficilement compréhensible hein. Comment est-ce qu'ils ont échangé les matchs là? Je crois que c'est le dernier quart de finale. Ouais, c'est Kurahashi, c'est Kurahashi, ça ressemble à Kurahashi. C'est Kurahashi. Et du coup, je vais vous retrouver le nom de ce gars immédiatement. Le nom de ce gars, c'est Korosuke. Il est en équipe avec Kiken et Alabama, le boxeur. D'accord, Korosuke contre Kurahashi. Ouais, les Japés, mais c'est pas vraiment de la faute de... L'orga est bonne, ce l'orga est nickel, c'est juste qu'en retransmission, on ne comprend rien, on sait pas ce qu'il sait. Ouais, le FT2 devient incompréhensible, c'est super chaud. Je pensais que le dernier quart de finale, je l'avais pas, mais bon, comme je me suis pas spoilé les vidéos avant... Mais... Alors, en même temps, c'est tout frais, hein, il date d'hier, hein, le tournoi, il y a même pas les vidéos YouTube, j'ai record de la VOD sur Twitch, donc bon, je vous demande de m'excuser pour ces petites imperfections. Voilà, c'est Alabama qui va s'échanger, d'accord. Kurahashi contre Alabama, c'est bien ça. Ok. Ok, ok. Parfait. Donc, Yuvega n'est pas garanti d'être en demi-finale. La team Yuvega Noguchi Kurahashi n'est pas garanti d'être en demi-finale, comme je l'avais noté sur mon papier. Ils peuvent perdre ici, à cet instant-là, contre cette team Korosuke qui ken Alabama. Ce stream est réalisé par un professionnel, mais il ne sait pas trop ce qui se passe. Oh là là, bah, il met une telle pression ici. La Kurahashi, c'est pas facile, hein. T'as boxeur, il a la super, t'es là. Oh, Tatsumaki dans le dash low. Oh, oh, oh mon gars. Oh mon gars. Oh mon gars. Oh mon gars. Ça c'est n'importe quoi hein. Ce bagro point il sert à rien. Hadoken va le faire agir, ça arrive hein. Ça arrive. Oh là 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 là. Oh. Une demi-frame pour agir hein. Oh mais la Lokizem. Oh Lokizem en fait cross-up. Oh là 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 là. Oh. Comment te retourner un match en deux frames? Un Tatsumaki, c'est ça, 2x, ce mec est de l'éclair de génie de mettre un Tatsu dans une... dans un dash low. Prends le serre plexus en oui pour placer un chop. Il a quand même pris un headbutt là-dessus. Le 5, il est évité. Il y a Dai Shoryu en reversal. T'as pas mis la garde, mon gars. Voilà, Alabama Man. Bra, overhead, décalage balayette. T'as mis la garde, t'as pas mis la garde. De toute façon, t'es cancellé. Il y a quand même... Pff, rien du tout. Il y a rien du tout. Hein. Il y a rien du tout. Hein. La super, elle s'est fait dérailler. Kurahashi mène 2-0 sur l'équipe. Il reste Kiken, le joueur de Ken, là, en face. Mais Kurahashi, il a pas le temps. Pourquoi il y a marqué M. Bison alors que c'est Balrog, le perso? Ah non, c'est Bison, les gars. Bison. Alors, Kiken le Ken. En japonais, c'est la version japonaise. Le vrai nom de celui qu'on appelle. Eh bien. Comment ça, Balrog chez nous? C'est M. Bison. Pour Mike Bison. En hommage à Mike Tyson. Le boxeur.
Bison Tyson boxeur, tout simplement. Il est invincible, hein, Kurashi. Il est invincible, hein. Énorme Ryu, hein. Énorme Ryu. Oh là là, mais comment tu veux tuer ce mec? Il a dormi à l'intérieur de la borne. Je sais pas. Il a élu domicile dedans. Oh, Daishoryu, il a cru qu'il allait se décaler avec un Tatsumaki, je pense. Daishoryu, il était pas si mal tenté. Ils sont au cac et ils font des Hadoken qui se télescopent. Les mecs ont pas peur, quoi. Un second point, un décalage balayette, il l'a anticipé, il punit la balayette avec une balayette. Le pushback est pas assez important avec balayette au corps à corps. Voilà, ouais, parfaitement évité le Shinku Hadoken avec un petit dragon invincible au projectile. C'est très bon là ce qu'il a fait Kiken. Il doit tenir bon la barre parce qu'il y a déjà balle de match contre lui ici. Il est en train de le pousser à sauter avec stand moyen, stand moyen, stand moyen. Je te feinte, dragon, trop évident le saut. Et il va peut-être... Oh, il a fait stand mais il kick dans le vent. Il a cru qu'il pouvait wish punish Kiken, il s'est décalé au moment du décalage. Voilà, sweep 3-0. Voilà la sentence. Big lourd énorme gros Ryu, ouais. Voilà la sentence. Faut dire boxeur, voilà on dit boxeur comme ça on se prend pas la tête, exactement. Gros gros Ryu. Oh, Kurashi qui a déraillé l'équipe. Alors, est-ce que c'était le deuxième match aussi qu'ils ont terminé? C'est pour ça qu'il y a eu un petit moment d'attente. Le premier match était en train de se jouer, le deuxième match est sur le stream. Ou est-ce qu'on passe vraiment aux demi-finales? Ou est-ce que c'est fini? Ah, ils se sont levés. Ils se sont levés. Il semble c'était ça. Ils étaient sur l'autre borne en train de jouer. Et ils ont joué la fin du match ici. Voilà, Janken Pon. Ok, impeccable. Je sais pas qui a gagné, mais je crois que c'est Kurashi ici au fond de l'écran. C'est en train de discuter un peu. Le grand, il me semble que c'est Yu Vega. Ok. Ok, ça va de ce côté de la borne. C'est quand même la demi-finale du X-Mania, c'est pas rien. Est-ce que c'est la team Amiten? Les mecs, ils ont l'air chaud bouillant, c'est hallucinant. Grosse stratégie, hein. Je sais pas si vous avez vu à quel point ça discute, hein. Les stratégies sont là. Nos Français sont là aussi, hein. Ça squatte les bornes et tout, hein. Les Gaijin sont là, hein. Il n'y a pas trop de griffes. Bah, il y a deux griffes, hein, deux énormes griffes. Comme il y a deux énormes Dalsim, c'est normal de les voir en haut. Il y a Noguchi et il y a Mao. Voilà. Mao qui est toujours là. Hein. Mao est intestable. Hein. Intestable. Dictateur, boxeur, griffe. Pour Vega, Bison et Balrog. Ouais. Mais si vous regardez bien, j'arrête pas de dire ça. En fait, c'est la logique même. Balrog, donc la griffe, a le masque de Balrog et la griffe du Balrog. En fait, c'est juste cosplay en Balrog, il s'appelle Balrog. Le Balrog, vous savez, c'est la créature, je crois, c'est des enfers. Dans la mythologie grecque, non, le Balrog, c'est... Bref, c'est un monstre, le Balrog. Et du coup, il est cosplayant ça, lui, il fait peur. Son masque, c'est le masque du Balrog. Il s'appelle Balrog, c'est logique. Boxeur, c'est Mike Bison. Le boss de fin c'est Vega parce que en japonais Vega ça sonne méchant du jeu. Ce qui est pas du tout le cas. Nous Vega ça sonne Don Diego de la Vega et ça sonne donc Hispano. Donc ça sonne plus comme la griffe en fait. Ça veut rien dire du tout. Absolument rien dire. C'est parti, demi-finale du X-Mania. Et oui. Premier match de la demi-finale, Peko Token Kawasim contre Afota Mashima et Akase. Le match que vous voyez actuellement, le match que pose Peko face à Afo. Un Blanca en demi-finale du X-Mania, hein, mon gars. Il est allé avec Blanca, team boxeur d'Alsim. Il a quand même deux top tiers dans son équipe, mais lui il a Blanca. Et là il est là pour montrer que Akase, qui a striké juste avant, et pas juste craqué, qui a aussi d'autres god tiers dans l'équipe. Et qu'il ne faut surtout pas les oublier. Afo qui prend le premier round sur Peko et qui anticipe un gambit d'ouverture saut avec une vertical roll qui est immédiatement séchée. Et en grosse difficulté juste sur ce simple choix là. Afo, ce gros pied de Holken qui est intestable. En air-to-air, il est imbattable. Le Balrog, c'est une légende espagnole, là, peut-être. Peut-être. Ouais, le dragon assez jumpable, safe de Holken. Là, si vous vous plaignez de certains coups pétés, je vous préviens, je joue à 2x, hein, vous allez voir ce que c'est que des coups pétés. Oh, par contre, l'ouverture. Et c'est 3 Instone et 3 Hitmore, voilà. Mais comment ce perso peut être le lotier du jeu?
Comment il peut être le lotir du jeu, expliquez-moi. Comment ce personnage divin qui te met 3 hitstun, 3 hit mort peut être le lotir du jeu? J'ai jamais compris. Faut vraiment qu'un jour quelqu'un m'explique comment la lotiritude de Blanca est définie. Ah, faut qu'il prend donc le premier match, il est opposé à Kawasim. Qui a, eh bien, fait trembler TMF et son équipe. Pouah, l'ouverture d'HP Shop. Il anticipe la téléport avec glissade du singe. Dès que la Shop en revanche est pris, vous avez vu, il déchoppe au premier hit. Balayette, ce qui est la bonne punition. Oh, il est tellement fort à faux là-dessus. Pouah, BMK dans le mauvais sens. Ça c'est frame perfect, le BMK dans le mauvais sens. Il se relève, il y a Shop, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, hein. Sauvez-le, je vous en supplie. Hein. Je vous en supplie. C'est trop violent. Ah, voilà, il applique le match-up avec le Stanaki qui peut casser les normaux. Et là, il va sauvide cross-up et faire des sauvide shop normal dans 2x. C'est aussi très rare. Hein. Lui, il fait sauvide shop comme ça. Bon, par contre, le drill le prend. Elle kick trop. Mais pas tout le temps en avantage, hein, cela dit. Un partout. Mais l'équipe de AFO qui domine pour le moment. Arrière moyen point, ça l'a empêché de sauter. Et là, elle fait saut gros point, décalage chop. Saut gros point, c'est lui qui a pris la chop, c'est random, on s'en fout. Oh, le 3 hit combo du skill. Extend moyen point, extend gros pied. Il voit que son adversaire lui charge la barre de super et s'en fout. Il lui a tellement déraillé la barre à Kawasim. Déraillé, qu'il a même plus besoin de prendre des risques. Voilà. Le meilleur coup avec le saut petit pied de l'univers. 2-0, Afo est en train, il vient de dérailler Holken et il vient de dérailler un Dalsim. Il reste tout con avec sa Chun-Li. Il est tellement loin dans le game U, Afo, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et saut petit point, et il y va, saut petit pied, et c'est parti. Et là, Chun-Li n'a pas beaucoup d'arguments face à tout ça. Saut petit pied, elle peut faire un spin burn, vous avez vu, il casse, il recasse avec gros point. Rolling stop, re-saut petit pied, là, il a réussi à hardasher une double touche. Mais c'est dur, c'est très très dur pour Toucan, qui est en train de se faire agresser perpétuellement par le joueur de Blanca, qui met quand même les 5 petits pieds qui vont bien et qui réussit le titre juste après. Ah, faux, hein. Et faux. Et faux. Et surpuissant, et il détient en lui la balle du premier set. De cette première demi-finale, premier set qui pourrait aller très 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 vite. Je rappelle que ce mec est en équipe avec AKC hein, quand même, et Tamashima, l'un des meilleurs boxeurs de tout le Japon aussi. Belle gestion de la distance, dommage d'avoir pris cette glissade. Ouais, attention, on va faire beaucoup de glissades. Ah, il a feinté, c'est par son petit pied, c'est un saut moyen P qu'il a fait pour récupérer plus rapidement du saut, activer la proximity guard et foutre une chope à la fin. C'est divin, c'est divin, c'est... Oh, c'est du caviar, oh, la chope de Chun-Li s'est pété, mais c'est du caviar, hein. Ce genre de match. Hein. Pourquoi Blanca n'est pas comme dans 2X et Street Fighter EX tout le temps? Et que ça a besoin des fois d'être un vieux perso de merde qui sert à rien. Ouais, voilà, là aussi c'est 2 hits. Hein. Suivi du 3 hits juste après. Saut petit pied encore divin. Il a décalé la chope et c'est bien déchopé. Afo qui roll, c'était très risqué mais il l'a fait. Il s'en fout. Et là encore, encore, encore. Au gros point whiff, il active la POS et ram. Chop 1-0 pour la team Afo Tamashima AKC, mesdames et messieurs. 1-0. Hein. Sur Zagis, ça marche pas. Et ouais. Ok, Janken Pon, ça refait Janken. Pour le deuxième match, c'est ça? Ouais. Ils vont changer de côté probablement. Ils ont tout reboot. Alors j'espère que c'est bien ça, sinon je me suis complètement planté et tout le match est en 1. Mais moi, normalement c'est en 2. Hein. Normalement il n'y a pas d'embrouille, c'est en 2. Je vais juste avancer un peu parce que là il semble être infini. Mais non, mais là c'est Kurashi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Kurashi discute, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une deuxième chance? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de repêchage? Je n'y comprends plus rien. Je n'y comprends plus rien. Là, c'est Ito DJ qui est assis. Je n'y comprends plus rien. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi des fois les matchs ils sont en 2 et pourquoi des fois les matchs ils sont en 1? Expliquez-moi, je ne comprends rien.
Je ne comprends rien. Eh bien, c'est pas grave, on passe à l'autre match, visiblement. S'il y a strike, il n'y a pas possibilité d'avoir deux vies. C'est ce que je semble comprendre. Un strike égale t'es mort. Je comprends rien du tout. Je comprends rien du tout. Bref, c'est le match entre Yuvega Noguchi, Kurashigi et Ito Mao et Futachan. Le centre que je lise les noms, Ito a déjà pris le premier round contre Futachi. Je comprends rien du tout. Peut-être qu'il joue la... En fait, il joue la fin sur la deuxième borne, je crois. Je crois qu'il joue la fin sur la deuxième borne. Hein. J'en suis persuadé, même. Ça switchait... Ouais. Ouais, c'est ça, ça a switché au pif sur deux bornes, c'est ça. Non, c'est bien en deux, mais ça a dû switcher au pif sur deux bornes. Je comprends rien du tout. Et Kurashi qui a montré des choses extraordinaires. Juste avant, mais faut pas faire ça, en vrai. Hein. C'est pour casser les couilles au mec qui récupère la VOD. C'est gagné. Mais vous savez que James Chen a commenté le match, le tournoi en direct. Et le pauvre devait être complètement fou. Mais je crois que le chat en interne indiquait. Il n'y a pas une histoire de top 8 en FT2, Milania. Si, c'est exactement ça. Le top 8 est en FT2. Mais il y a le premier set qui est joué sur une borne et le deuxième set qui est joué sur une autre borne. Et ensuite, ils enchaînent, ça c'est stun. Ah, c'est quasiment la mort pour Kurashi. Et Ito qui prend l'avantage sur Kurashi. GG. Du coup, bah là, en fait, on sait pas qui est en finale. On sait pas si la team d'Afo, Tamashima ou Akase est en finale. On sait pas. Ils sont sur la deuxième borne et on verra qu'à la fin. Alors, espérons qu'ils jouent quand même les deux matchs ici sur celle-ci. Parce que sinon, je vais rien comprendre. Oh, le bas gros point pour intercepter ici la chaîne Itokon. Itok a pas le temps. Jackknife, tu sautes pas. Oh, c'est cross-up ça. Je comprends pas pourquoi c'est pas stun et qu'elle a pu résister à ça. Pas grave, il préfère aller aux dégâts de grattage et chercher la double touche ici. Bah si, on y est dans le top 8. Hein. On y est dans le top 8 puisque... On y est dans le top 8 parce que on est en demi-finale. Les gombos. 2-0 pour Ito. Yu Vega à suivre. Là, attention, il n'y a que des gros beaux joueurs de leurs persos respectifs. Ouais, il fait pas gros point dans le Nipress. Se replie immédiatement avec le match-up sur petit point. Pour essayer de casser un peu toutes les embrouilles. Mais généralement, avec DJ, il y a bien moyen de casser les bonbons à Dictateur. Pendant longtemps, le truc, c'est que dès que Dictateur trouve une ouverture de garde, c'est la fête du slip. Tu vois, il essaie de trouver une trajectoire idéale de Devil Reverse pour que le Jackknife whiff et qu'il puisse punir juste derrière. Vous avez vu à quel point c'est difficile pour Dictateur d'approcher. Il n'y a pas de coup invincible qui passe au travers des projectiles. Hein. Ça n'existe pas, ça, dans 2X. Hein. Enfin, si, il y a les dragons de Ryu et de Ken. Qui sont merveilleux. Une petite super, il a encaissé qu'un seul hit, c'est pas grave. Il essaie de le mixer. Voilà, maintenant qu'il est dans sa garde, le bagro point dans le vent. Ni presse encore. Ça y est, la garde est bien ouverte. Le pressing, il est du côté de Yu Vega qui va jouer le chrono. Le 2X chrono. Très bon 2X chrono. Hein. La chaîne rouge, c'était le CP, vous êtes sûr? Oui, 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 oui. Sûr que c'était le CPU. Bah Yu Vega qui sort du coup Ito. Une grosse phase. Ah, la chaîne rive rouge c'est le CPU, j'avoue. Mais pourquoi ils se battent? Et du coup c'est au tour de Futachan d'y aller. Futachan qui cède sa place à Ito. Hein. Futachan, hein, le tueur de griffes. Hein. Grosse rivalité avec Kurashi, justement. Yu Vega qui a peut-être la possibilité de régler cette histoire de Ryu distant. Oh, Devil Reverse qui est payé très très cher. Avec des Tatsumaki aériens qui ont permis de charger la super. Futachan qui est en train de dérailler Yu Vega. Le verre ne tue pas. Vous avez vu, il poursuit avec son Arplexus. Il va essayer d'enchaîner juste après. Oui, non, la super est carottée. Parfait. Très très bonne gestion hein, de la part de Futachan. Sous MP, il en remet un troisième ici. La relevant Tatsumaki, il l'avait anticipé. Et puis il y a la chope, très bonne garde. C'est difficile hein, d'avoir une garde hein, sur les Okizem de Dictateur. Et il fait un press. Oh,
sans réflexe. Et un petit un saut moyen point dans le vide. Dragon l'a retombé. La non-peur d'un homme qui n'a plus rien à perdre. C'est ça dans 2X en fait, t'as tellement plus rien à perdre quand t'as plus de life. T'en bats les steaks. Ah, il a raté son dragon ici. T'en bats les steaks, tu balances. Ah, je sais pas si c'est le premier point ou si c'est pas le premier point. Si ça se trouve, non. Et le Vega qui est pour le moment assez sama. Nipress est mangé en tout cas. Et Renipress remangé. Futachan est obligé de reculer. Et un bon saut vertical gros pied pour empêcher Futachan de sortir de là. Non, ça c'est pas une super. Oh, il a raté le stun hein, de justesse. Hein. Light kick, light kick, light kick, gros pied. C'était quasiment sûr que c'était stun. C'est décalé. Vous avez vu que tu peux faire des petits pas derrière les light kicks. Des gros just frame. Avec des décalages au milieu des hits. Le stun light kick est tellement fumé. Par contre là il prend overhead balayette. Le décalage chop est raté. Mais il déchoppe quand même la chop de Dictateur. Ce petit point quasiment inutilisé. Mais ici utilisé en entière. Le coup le plus rapide à sortir plutôt que de tenter le saut moyen point. Et de risquer le trade et la défaite. Car il se trouve pas spécialement en bonne position. Mais il prend ce chacounette sortière. Il va sûrement se faire gratter à la super. Sur non. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Mais qu'est-ce que c'était que ça? Mais qu'est-ce que c'était que ça? Yuvega a fait tic trop sur Futachan après un psycho crusher en mandant s'en bat les steaks. Et bien voilà, bah c'est au tour de Mao d'y aller. Allez, deux mecs sont morts. Et Mao qui commence avec un Scarlet au milieu du Nipress. Il a d'ores et déjà pas le temps. Mao, hein, le perso ban évidemment de ce tournoi. Qui a jamais été banni de l'histoire. Hein. Champion de l'Evo. Je crois que deux fois champion de l'Evo. Un nombre incalculable de fois champion du X-Mania. Je crois qu'il a gagné le Togeki aussi. Enfin, ça veut absolument rien dire. Je suis confus. Je suis complètement confus. Hein. Et Mao qui prend ce premier round. Donc, normalement, Tokon est encore en vie. Hein. Il ouvre avec Nipress. Il a réussi à rendre une chop. Ah là, ses attaques au saut petit pied. Regardez l'agression perpétuelle de Mao qui joue vraiment griffe comme personne. Tu sais, c'est un genre de AKC de la griffe. Ça, il rush tellement sur Dictateur en se disant c'est possible. Par contre, belle anticipation de Yuvega qui l'empêche de sauter et de prendre le coin. La Crystal Roll, ça lui a permis d'éviter ce cross-up. Il sortit intelligemment du coin. La super est buffée dans ses Flying Barcelone. Faut qu'il fasse super attention à Yuvega. Pour décalage chop, Zé déchopé. Son petit pied, son vertical petit pied. Oui, feu d'un proxy multi OS activé. Et Mao qui revient donc à deux partout. Et ça va jouer sur le dernier match. Ouais, c'était bien Tokon. Bah non, Noguchi. Hein, Noguchi? Oui, Noguchi. Noguchi, Tokon, je suis bon, je dis Tokon. Et donc, c'est un griffe, mon gars, hein, qu'on va avoir pour le premier point de cette demi-finale. En griffe, hein, Noguchi qui joue aussi très bien fait long, hein, avec la griffe rouge et la griffe... Ah. Et la griffe bleue. Quand les Japonais font un tournoi, Johan, oui. Et la griffe bleue qui est donc celle de Mao. Qui est en train d'avoir raison sur tous les Flying Barcelone pour le moment. Il n'a jamais eu tort une seule fois dans les airs. Oh là là, le backflip pour éviter le Flying Barcelone. Qui était là pour éviter l'autre Flying Barcelone. Ouais, Flying Barcelone pour éviter le Sky High Clou. Et le Sky High Clou qui termine dans la garde. Un Crystal Rock sort dans mon sens. C'est absolument incompréhensible. Je crois que ce match-up est totalement incommentable. Chop, mais c'était déchopé. Chop, mais c'est pas déchopé. Noguchi sort du point. Et ça va jouer en un round décisif. Le round du n'importe quoi, mais l'ouverture Sky High Claw est pas très intelligente de la part de Gucci. C'est quand même une ouverture qui peut coûter très cher à ce stade-là. Pour un Sky High Claw anti-Flame Barcelone, en fait, c'est le match-up. Le match-up Claw-Claw qui est super connu par Mao. Et même s'il réussit à déchoper Mayer et Backflip, il sort over et dégardé. L'instinct de remonter sa garde. Mais regardez comment il est là, Mao. Regardez comment il attend son heure. Précisément, tendrement, il veut le cueillir. Et il le cueille. Mao, la griffe. Remporte le premier point de cette demi-finale. Alors que le match doit être, à mon avis, terminé à côté. On va jouer le deuxième match
entre ces deux équipes. Le match-up clo-clo. Exactement. Alexandrie, Alexandra. Alexandrie, Alexandra. On m'indique JDG, bye bye Ken. Mais pourquoi allez-vous regarder le JDG quand il y a la retransmission du X-Mania dans le coffre à Versus? Je ne comprends pas. À moins d'être lobotomisé. Complètement. Sachant qu'en plus, c'est une VOD. Vous pouvez regarder ça n'importe quand. Pourquoi vous voulez rater ce grand moment? Expliquez-moi ce qui se passe. Restez ici. Une VOD, ça se regarde quand vous voulez. Allez, c'est la revanche. Là, normalement, si j'ai bien compris, c'est la revanche. C'est le deuxième match. Je vois Kurahashi installé. Et c'est Mao qui va y aller. D'accord, c'est bien la revanche. Je sais pas pourquoi ça reset, mais c'est la revanche. Et si je faisais chier Tristan et que je mettais pas la... Ah oui d'accord, c'est pas Kurahashi qui veut y aller en 1, ça remix. Ouh, ça sent les embrouilles quand même hein. Je sais pas si vous avez vu, mais Kurahashi s'est installé, il a vu Mao. Et ils ont reset la board, ils ont dit non, finalement on envoie Noguchi. Je sais pas c'est quoi l'embrouille là. Mais il y a l'air d'avoir une embrouille de japonais. Noguchi contre Mao, le retour de la griffe. Mais ce coup-ci, il joue le premier match, hein, rien à branler. Et c'est Mao qui remporte à chaque fois hein. C'est Mao qui remporte à chaque fois. Alexandrie, Alexandra. Le match-up clo-clo qui est bien connu hein, quand même. Hein. Savent qu'en faire Sky High Clo pour punir les Flying Barcelone. Et ensuite, une fois un Flying Barcelone passé, c'est parti. Zunda Drop, Crystal Roll. Par contre, ce saut, il va peut-être le payer. C'est dommage qu'il n'y ait pas un autre Scarlet qui soit passé. Est-ce qu'il peut presser un peu trop haut, je pense. Il y a une punition. Et là, le Flying Barcelone utilisé très très tôt empêchera Mao de sauter. Ça se joue encore au dernier round. C'est assez fou, hein. Mais qu'ont-elles en pas le temps. Ouah. Oh, il a attendu pour faire Scarlet. Oh, faire Scarlet Terror sur un Flying Barcelone dans le coin, c'est très difficile. Et Mao qui a pris l'avantage ici. Attention, Barcelone à loupe. Il décale la chope, c'est déchopé avec un second point qui empêche de voler Noguchi. Noguchi qui a fait un Sky Claw incompréhensible, mais qui a réussi à punir et qui prendra quand même ce Flying Cross-Up. La violence, on vous dit. La violence. La violence d'une griffe. Mais ban Mao. Ban Mao, sans déconner, il est intestable. Intestable. Qu'est-ce que tu veux faire contre cet homme? C'est pas possible. Tu lui mets griffe, il perd pas. Tu lui mets les pires match-up, il perd pas. En même temps, les pires match-up de Clo, faut aller les chercher loin, mais... Ah, Yuvega, il connaît, hein. Lui, les griffes, il en a déjà affronté. Il a mis gros points dans le Flying Barcelone. Par contre, Yuvega, il est encore plus malin. Il décale les stands moyen point. Là, t'as vu. Bah, moyen pied, il en profite pour sauter directement. Il sait que les entières vont peut-être pas arriver sur un saut normal. Le truc, c'est que Griff, eh bien, à part le Scarlet, un peu bourré, il n'y a pas forcément de quoi se défendre. Il peut pas trop le piffer parce que sinon, il risque de prendre une punition assez expéditive. Du coup, il est prudent, il met bien sa garde. Et une fois que le pressing de Yuvega s'arrête, eh bien, lui, punit. Et en attendant, bah, ça fait encore un point de prix pour Mao, qui est empêché de sauter du coin. Avec un saut gros pied, le double Scarlet Terror remet immédiatement Yuvega à sa place. Malheureusement, Yuvega qui n'a pas de reversal et qui donc subit totalement le pressing de Flying Barcelone. Dans une situation compliquée. Ah, il a fait pas moyen point pour faire wifi cross-up medium kick. Et là, il est en situation de bas gros point pour le faire piffer la super et la carotter. Terrible. Terrible. C'est à Frédéric Go, serre-toi. D'accord. Situation dramatique. Kurahashi est le dernier survivant. Oh mais cette griffe. Ah, Shoryuken une fois, Shoryuken deux fois. Double dragon contre Claude François. Et la chope encore encaissée. Oh, elle a pris, il a tellement pris. Kurahashi vient de se faire éclater. C'est la balle de match hein, pour Mao. Là le dragon il est passé. Mais le setup de Sotatsumaki est raté.
Du coup, Kurashi se retrouve dans une situation vraiment pas simple. Petit dragon, il avait anticipé, il a fait saut vide, et là il feinte la vide pour mettre ça. Mais il y a quand même un dragon reversal qui sort dans le bon sens. Gros dragon touche dans le bon sens. Est-ce qu'on peut faire gros dragon? C'est dans le vent, c'est puni par balayette, ça sent la mort quand même. Pour Kurashi qui réussit à ramener une chope, mais quand même déchopper le dragon, c'est la super dans le bon sens. L'Okizem est fondamental, l'Okizem touche, deuxième Okizem. Ah, il a peut-être blessé au zéro Talvi, faut jamais faire ça. La griffe qui est jamais morte. Kurashi va-t-il pouvoir le faire? Kurashi va-t-il pouvoir le tuer? Maoki essaie de gratter, Maoki tente sa chance. Oh, il y avait un dragon, des préventions obsèques. Ah, dommage, la prise n'a drampé à prendre un Flying Barcelone Loop. Je sens que dans ce deuxième round, c'est chaud. Kurashi qui a mis tout ce qu'il voulait, mais là, le Flying Barcelone Loop est trop puissant. Ça, c'était devant, ça, c'était derrière. Ano Kusogemu. Ce qui est trop stylé avec Mao, c'est que les mecs, ils sont tous motivés. Tu sais, ils ont la motivation extrême. Ils sont là, ah, je vais le tuer, je vais le tuer. Et il n'a absolument rien à foutre. Il arrive, il est là, mais il fait des pauses jojo. Je te baise. Et bla bla bla, il les dégage tous. Et les mecs, à chaque fois, ils sont guakés, yex. Ils disent, les mecs, ils en peuvent plus. Ils sont au bout du slip. Regardez l'image qu'on m'envoie. Putain, mais cet homme, c'est pas possible. Bah alors, la finale est décidée d'après ce que j'ai compris et d'après ce que je vois. Du coup, c'est la team Afo, Tamashi et Akase qui va affronter la team Mao, Ito et Futachan en finale de ce tournoi. Chose assez incroyable, mais c'est bien le cas. Voilà. Si vous voulez regarder le JDG, il y a Mao qui distribue des patates. Bla bla bla. Mao et son équipe vont-ils perdre face à une team Mao Tamashima à casser? Vraiment assez goldé, d'autant plus que Tamashima peut gérer le match-up clos. Que Akase peut gérer le match-up Ryu de Futachan. Et que Afo peut gérer le match-up DJ. Donc vraiment, c'est super équilibré, je pense. Et tout est encore possible dans ce match. Si vous voulez voir la finale de ce X-Mania commenté, eh bien il va falloir attendre 5 minutes de pub. Bien entendu, on se retrouve tout de suite. Petite pause. Et on se passe la finale de 2X dans quelques instants. A tout de suite. Palap, palap, palap. De retour dans le coffre à Versus pour commenter le X-Mania numéro 16 avec dans quelques instants la finale qui oppose donc ce coup-ci, c'est sûr, étant donné le boxeur Afo, Tamashima et Akase face à la team Mao, Ito, Futachan, les tenants du titre. Qui vise un deuxième titre, mais bon, pas que leur deuxième titre, hein, faut quand même bien l'avouer. C'est aussi leur... je sais même pas comment calculer, tellement il y en a. Les mecs sont tellement loin. Coffre à Versus, Metroid Prime, eh oui, osez. Coffre à Versus, Metroid Prime. Je sais pas si un Coffre à Versus, Metroid Prime verra le jour un jour, mais... on va le terminer, Metroid Prime, ne vous en faites pas. Quand je serai un peu moins stressé, plus détendu, j'accepterai de me faire stresser gratuit par le jeu. Pour le moment, je m'as saoulé. Et je préfère commenter du 2X. Et j'espère que vous préférez et que vous kiffez en tout cas
commentaires de Zig, vous pouvez faire vos pronostics même si c'est difficile. Étant donné que le tout a déjà été joué, que vous connaissez peut-être le résultat de cette finale. En attendant, évidemment, les favoris, étant donné que sont peut-être ceux qui sont arrivés ici sans trop de difficultés, c'est Maui Tufutachan, mais moi j'ai confiance au miracle que peut faire quelqu'un comme Afo. Et on va voir si il se retrouve face à Mao. Et bien ce dernier peut gérer quelque chose avec Blanca. C'est parti, le premier match de ce premier set en FT2 opposera donc Tamashima Boxer contre Ito DJ. Comme vous le voyez, le bas medium kick a déjà cassé le premier dash de Tamashima, qui a dashé de très très loin. Et pour anticiper ça, et bien tout simplement Ito a fait saut arrière. Et là c'est une situation perfecte qu'il est en train de subir. Tamashima qui n'a pas joué depuis pas mal de temps, hein, quand même. C'est un peu difficile de se dire je vais commencer en finale alors que les quarts de finale, la demi-finale, j'ai pas joué. C'est vrai que Afo a fait le taf en demi-finale, alors que eh bien c'était AKC qui avait fait le taf en quart de finale. Et là il prend un perfect très long, hein, quand même, hein, Tamashima, en ayant aucune possibilité. Il reprend la même face et le même round. Heureusement qu'il réussit à accrocher une chop ici, parce que sinon il aurait pris très très cher. Seulement ça c'est devant devant, bas gros point pour essayer de casser un éventuel dash qui serait arrivé. Le dash n'est pas venu, il n'avait pas pour but de faire combo, hein. Et bas petit point, bas gros point, juste pour but de cerner un peu les objets et l'adversaire. L'adversaire qui n'a pas attaqué, mais Tamashima qui s'est quand même tué par Ito. 1-0 pour l'équipe des Miten. Tu devrais faire plus souvent des S versus West de GameSpot. C'est bien plus sympa que Street Fighter 4. Ah bah ça, je vais pas vous dire le contraire. Mais après les S versus West, le truc c'est que c'est souvent les mêmes qui reviennent. Et puis il faut quand même attendre la partie 2 pour voir les vrais top tiers s'affronter souvent, donc mais c'est très très sympa, hein, je les regarde seul, tu vois, je les regarde en VOD pour mon plaisir personnel. J'en ai tellement commenté des S versus West. S'il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire dans un généralement les viewers me le signalent et je ne manque pas d'aller les commenter, hein. Voici donc AKC, le Dalsim, qui a la lourde tâche de tuer ce DJ, comme je vous dis, hein, tuer DJ. On l'a vu lorsqu'il a affronté Nio. Faut vraiment pas faire d'erreur. Et là, vous voyez, AKC qui a l'habitude d'attaquer vraiment sérieusement, eh bien, fait pas trop le fier. Par contre, il a une distance qu'il apprécie et qu'il essaie de respecter. Grattage au gars Inferno quand il reste quasiment plus rien. C'est super malin, obligé de driller. La double touche, heureusement qu'il est là. Oh, attention à la gratte. Attention à la gratte. Attention à la gratte. Oh, cette chope. Elle était chopée. C'est perdu. Aïe. C'est perdu au time over. Voilà, Cassé, il a voulu jouer la montre. Et ça s'est retourné contre lui, malheureusement. L'arrière petit pied, il a fait double touche. Léger avantage à Cassé sur cette entière. Par contre, ce gros pied, lui, il passe dans le vent. Et Ito prend l'avantage. Je signale que là, faut vraiment pas rater parce que, en fait, AKC, tu vois, il est déjà mort. AKC ou Amo Shinderu, puisqu'il y a Mao juste derrière et que Mao, il pourra pas le battre de toute façon. Du coup, c'est déjà Afo qui doit faire le taf. Alors que, je sais pas, envoyer Boxer en 1, c'est pas très malin. Donc là, faut vraiment que tu tues Ito. Hein. Le mec, il a pas le choix. Hein. Si tu pas Ito, jamais, mais jamais, Afo réussira à passer les 3 monstres. Hein, là. C'est pas possible. Ou alors, vraiment, un miracle absolu. Hein. Faire Big Bite 3 sur 3 des meilleurs joueurs du monde. Et les 3 plus gros joueurs de leur perso respectif. Hein, ça veut rien dire. Hein. Absolument rien dire. Ouais, Gafire pousse bien. Mais il est en retard, malheureusement, à caser. Comment il va faire pour s'approcher? Drill? Non, pas de drill. Il reste loin. Le chrono continue de défiler avec les X secondes qui partent vite. Et Ito qui est solide comme un roc, il est inattaquable. Il va faire perdre du temps avec la super, il va le repousser. Regardez toute l'énergie qu'il a à vide à présent. Allez, décale la chop, maintenant faut le Mukuminiser. Drill, Banka, Yuga Fire, reste 12 secondes. Drill, allez, c'est un Yuga Blast qui a dû aller. Ça joue à un choix à la con, hein, des fois, hein, ce jeu. Et là, c'est mal parti pour le premier set. Puisque Afo va devoir faire ce que l'on appelle un reverse OCV. Il y a un strike inversé.
faire 3-0 sur la team championne en titre avec le lot tiers du jeu. Dans un match-up, je sais même pas comment on gagne ça. Je sais même pas si c'est possible de gagner. DJ fait bas moyen point. Et voilà, il a gagné. C'est 1000-0. C'est 1000-0. C'est intestable, hein. C'est 1000-0. Je vous jure que c'est 1000-0. Il n'y a rien à faire. Voilà. C'est 1000-0. C'est impossible. C'est impossible. Par contre, là, évidemment, si Ito se met dans le coin tout seul, peut-être que Afo va pouvoir tenter des trucs. Ah, bah, ça, oui, il le poursuit. L'avantage à l'énergie léger va essayer de garder une certaine distance. Sendai Punch, voilà, Jack Knife en reversal. Dès que t'essayes de décaler une chope pour prendre l'avantage, y a pas d'embrouille. Et puis après, bah, moyen point et t'es mort. C'est tellement divin. Mais là, Ito, il se sent chaud du zizi. Du coup, ça pourrait profiter à Afo. Ah, si Afo, c'est pas avoir sur l'Okizem. Ouais, ça va pas tuer ça. Ça va pas tuer l'encore en espoir. Un vieux saut gros pied, un vieux truc chelou qui passe. Elle a bien gardé. Bah, mais qui le moyen point entier, il l'a. Voilà. Il l'a eu. Il l'a eu. Balle de match sauvée, hein. Afo qui tient bon la barre, hein. Oh, ouais, il a voulu essayer de whiff punish la glissade avec dash spécial chop et c'est lui qui s'est fait choper. La déchop est quand même là mais il doit poursuivre son adversaire dans l'autre coin. Et là il fait BMP, il a gagné. BMP, BMP, bah gros point, BMP, voilà, BMP. BMP, c'est gagné, hein. Il n'y a rien d'autre à faire, hein. C'est 1000-0. Dash spécial, t'es cassé. Glissade du singe, t'es cassé. Bah gros point, t'es cassé. Gros pied, t'es cassé. C'est l'enfer sur terre. Et en plus, comme il fait ça, tu peux pas reculer pour te mettre pile poil à distance de saut. C'est... Ouais, ça, il a raté l'entière. Ça, il dash spécial, c'est passé. Il a reçu emballer le match à faux. Mais prends cette glissade. Il est à un dégât de grattage de la mort. Et 1-0 donc pour l'équipe Mao Ito Futachan sur un strike de Ito en finale. Je vous l'avais dit, hein, là il y a eu grosse erreur stratégique à mon avis. Très très grosse erreur stratégique. Et Ito qui bouge pas pour le deuxième, set. Si Ito qui va peut-être. Ils vont peut-être bouger quand même. C'est reparti, deuxième match. Oh non, ah là là, encore plus ça perd au Janken. Oh là là. A cassé contre Mao, mesdames et messieurs, Mao qui va en 1, qui veut plier ce X-Mania définitivement. 800 balles et steak. Le game s'est plié. Voilà. Quoi? Un Delsim, qu'est-ce que c'est que ça? Ça existe ça dans la tier list? Pas prévu que ça existe. Flank Barcelone très bien gardé, hein, tout de même par AKC qui maîtrise bien son match-up. Il sait exactement où aller. Ça par contre c'est pas safe. Prend un bas gros point. Enchaîné avec ce gros point et ce moyen point whiff. Et du coup ce dernier peut prendre la chape multi. Ah c'est bien, faut le Mukumi disait. Faut être débile. Faut être débilement con. Voilà. Comme ça. Faut vraiment jouer la carte du jeu de merde. Lorsque le match-up c'est de la merde, il n'y a pas le choix. Mao qui perd le premier round sur une grosse bêtise. Oh la téléportation, hein, c'est risqué aussi de faire ça. Peut assez vite le rattraper, mine de rien. Pris ce gros point, bas moyen point. Il sort immédiatement du coin parce qu'il sait que mine de rien, Dalsim ça peut être risqué. Vous voyez, aucune interception aérienne ne peut être là. Flag Barcelone l'a pris cross-up. Disparition ninja. Il l'a traversé. Il l'a traversé de part en part. Oh là là, Flying Barcelone loop, ça sent le perfect. Il a gardé celui-ci, mais le bas moyen point lui donne le hitstone. Il y a quand même un arrière petit point qui a réussi entière. Backflip, le gros, pour éviter totalement Yuga Fire. Mais ce coup-ci, l'entière n'entièrera rien du tout. Mao va exploser à casser comme un petit enfant. Il a chargé la super. Il a chargé la super. Du coup, il se dit, j'ai plus rien à perdre. Heureusement qu'il a raté le deuxième Scarlet. Ah, c'était même pas une super. C'est même pas une super. C'est même pas une super. C'est même pas une super. 1-0 pour Mao. Et là, faut envoyer... Ah, il est sérieux à faux. Il est sérieux. Ah, il semble sérieux, hein.
Griff est craqué, mais le joueur qui joue Griff est encore plus craqué que son propre perso. Imagine un mec craqué qui joue le perso le plus craqué du jeu. Et en plus, c'est le mec, il est complètement baisé dans sa tête. C'est n'importe quoi. Afo tente le versus Mao. Hein. Afo contre Mao, ça se termine en O. C'est trois lettres à chaque fois. Ça permet de rentrer dans le high score. Bah là, c'est le moment. Hein. Si vous rentrez dans le high score, Afo, vas-y. Montre-moi comment on fait, hein. Explique-moi, moi j'ai jamais compris. Glissade en finish de la glissade du singe. Il est déjà au zéro de vital, le pauvre Afo. Il est en train de se faire dérailler. Grosse, grosse griffe, hein. Grosse, grosse griffe. Faut faire l'électricité, ouais. T'as raison, fais l'électricité. Il a réussi à placer la première shop. Savoir que Griff prend pas mal de multi de la shop parce que souvent il conserve. Voilà, comme ça, faut l'embrouiller. Oh, embrouillage. Troisième shop de placer. Quatrième shop. À fond sur le toit du monde. Solide, hein. Pourtant, Boxer était probablement le meilleur choix possible. Il avait pris pas gros point dans sa rolling et Crystal Roll à la relever. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais c'est dommage d'avoir pris ce deuxième hit de Crystal Roll. Il aurait pu le prendre dans la garde parce que lui c'est tout bénef, ça cherche sa barre de super, ça accuse des dégâts de grattage. Voilà, il a quasiment sa barre de super. Dans quelques frames, sa barre de super elle est chargée à Mao. Et là, il est en situation de perfect, une barre de super qui tue. Il a aussi à placer la shop, c'est déchopé. Est-ce qu'il va bouffer deux perfect à faux? Crystal Roll 2, Crystal Roll 3, c'est pas là. Crystal Roll 3, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Ouais, il réussit. Allez, voilà, maintenant faut emballer le match. Maintenant faut emballer le match, hein, c'est possible. C'est pas rien, rien possible du tout. C'est, y'a rien qui est possible du tout. Y'a rien qui est possible du tout. Ça sent pas la gagne. Hein. Je vais pas vous spoiler, mais ça sent pas la gagne. Hein. Ça sent pas la gagne. Hein. Et bien voilà, à 1-0, il y a déjà 2-0 dans le deuxième set. Mao est en train de dérailler tous les... Il y a strike de Ito et là on s'envole vers un strike de Mao. S'il y a double strike dans cette finale du X-Mania, les séquelles seront irréversibles. Et c'est Tamashima qui a pour objectif de changer ça. Tamashima qui, je le rappelle, a le seul match-up à peu près jouable contre la griffe parce qu'il a des entières. Et ça se voit d'entrée de jeu. Bien maîtrisé et avec une bonne avance à l'énergie. Tamashima est le premier à prendre un round ici. Amao. Oh, il a pris Izuna drop et juste derrière ce Flying Barcelone. Vous voyez que Mao qui backflip parce qu'il sait qu'une petite super. Mais il a pris Dash Hopper dans ce Flying Barcelone. Ce qu'il essaie de décaler. Le décalage, il a pris Scarlett. Il a pas le temps, Mao. Oh, c'est devant, devant, de chez devant. Et ça se voit alors. Ah, faut savoir que vous pouvez faire reversal headbutt pour éviter de prendre la griffe dans le fion, mais c'est le just frame Tassa. C'est tellement difficile d'éviter ça. Balle de match pour Mao à présent et pour l'équipe Mao Futachan Ito qui peuvent s'envoler vers un deuxième X-Mania de suite. Et Mao qui pourrait s'envoler vers du quadruple titre en faisant le combo extraordinaire. Sarah, mon gars, il est en avance, hein. Ça me permet de justement d'expliquer ce qu'il y a. Il est en avance, Tamashima. Faut pas qu'il prenne le moins de Flying Barcelone. Ça a fait double touche, faut garder là, voilà les deux pour éviter justement ce Flying Barcelone. Il peut l'avoir, il est pris, oh, ça tue. Oh, ça tue. Aïe, gomenasai, Anthony, gomenasai, sumasen, sumasen. Ça tue! Ça tue. Et bien voilà. À moins que les finales UTT en 3. Ça sent la fin des haricots verts. Hein. Ah, c'est complètement la fin des haricots. Il est là, Mao. Futachan, il est là. Et Ito, il est juste. Il est juste ici. Les. 3 joueurs remportent un nouveau X-Mania de suite. Mao a été impérial. Impérial. Dans l'intestabilité la plus totale. Mao domine encore le X-Mania. Et le hashtag BanMao n'a pas fini d'exister à mon avis. Hein. Mao est... Le mec est trop loin. Il a beau, tu sais,
On peut dire, ouais, le mec joue le perso le plus pété du jeu. Noguchi joue le perso le plus pété du jeu. Il gagne pas. Il se fait tuer. Il se fait tuer par Mao. Mao qui dégoûte le Japon du jeu, quoi. Enfin, je veux dire, à ce stade-là, c'est... Ah ben, on voit Zagi, justement. On voit nos Français. Ils sont là, ils apparaissent à la caméra. Bisous à eux, hein. Ils ont la chance, ils sont au Japon. Regardez le nombre de gaijin qu'il y a quand même ici, pour ce X-Mania. Regardez, il est là, Mao. Il regarde la caméra. Il est là. Qu'est-ce qui se passe? Je te baise, moi, mon gars. Regarde. Ah, ah, j'ai mon t-shirt. J'ai mon t-shirt de vainqueur. Eh ouais. Est-ce que t'as ton t-shirt de vainqueur, toi? Moi, je l'ai. Je l'ai. Et ouais, vous avez tout le monde. Même ses coéquipiers sont là. Ils font... Ouais, ouh. Même les collègues, ils sont là. Mais... Ouh, ouh. Ouais, casse-toi avec ton perso. Putain. Et ben voilà, ceci clôture du coup ce X-Media. Alors je sais pas, il y a des photos qui sont apparues visiblement. Est-ce qu'il y a des costumes alternatifs qui ont été annoncés de Street 5? On a un peu de temps, du coup on peut peut-être parler de ça. Même si c'est pas très coffre à versus, de toute façon il y a plus rien à faire maintenant. À part attendre que la vie se passe. New footage de combo fin. Non, bah non, je sais pas c'est quoi ces images que j'ai eu. Je sais pas ce qu'il m'envoie là, sapin. Je sais pas ce que vous faites. Je sais pas pourquoi vous faites ça. Quel est l'intérêt de faire ça? Pourquoi? Donc je fais juste un petit résumé du coup. Premier sur 45 équipes, 135 joueurs hein, de présents à ce X-Mania, la team Mao Ito, Futa-chan, suivi en deuxième position quand même, grosse performance hein, de la team Afo, Tamashima et Akase. Troisième ex-aequo puisqu'il n'y a pas de match de la troisième phase, Yuvega Noguchi Kurashi et la team Tokon, Peko et Kawasim. Et enfin, mort en quart de finale, TMF Nyo Ryu-chan, Hidetomo Mu, Yaya Kawamata Sozo et Korosuke Kiken et Alabama. Voici le résultat final. Tu as pas lu le titre de la news? Ah oui, c'est un incruste. Je ne sais pas, parce que je vois plein d'images trop bizarres là avec des costumes alternatifs de Camille et je me demande si c'est vrai ou si c'est faux en fait. Ou si ça sort de nulle part. Ah oui, il y a des pré-order costumes qui sont là. Bye bye Antoine, ciao. Ouais. Bah écoutez, on a fini en avance. Du coup, eh bien, on va pouvoir laisser la place à Tears of Megland. Ils sont chauds les casters. Ouais, bah moi j'ai joué. Il va jouer. C'est Kouchas qui commence. Tu joues contre qui là? Lunatic. Tu comptes Lunatic? Oui. Mais je dois pas rater ça. Ah, non. Tu vas te faire bourrer. Peut-être. Tu vas te faire bourrer violent. Tu vas te faire... Moi je suis pour Lunatic, MV, je ne peux pas, c'est la rétro indé, faut que je me respecte un peu quand même. C'est le seul mec qui peut gagner de la rétro indé, MV vient expliquer. Pour équilibrer les masses, j'ai bu un petit verre d'Ice Tea. Parce qu'on fêtait le départ de Antoine. Oh putain, oui, en effet, oui, t'as... Ah oui, il a fallu sérieusement équilibrer les masses quand même, hein, là. Un petit Ice Tea. Mais t'es sûr que c'est bien équilibré? Parce que d'ici... Attends, fais voir, recule un peu. Vas-y, parle. Allô? D'ici ça peut aller, c'est à peu près équilibré, ça va. Ah, MV, souviens-toi de Valmaster. Qu'est-ce qui est arrivé oui, à Valmaster? C'est terrible. Non, bah oui. C'est pour ça, j'ai peut-être trop déséquilibré le match. Bah voilà, c'est ça. Ne donne pas plus de chance à ton adversaire. Ouais, on va voir. Mais bon, ça va être intéressant, on a tous les deux 3 victoires, he's ok. Ça va chier. C'est décisif. Un match déterminant parce pour la oui. Qualification dans le groupe. Parce que même celui qui gagne là, même s'il termine deuxième, à la confrontation directe, il aura gagné. Enfin, même si c'est un ex-aequo, tu vois, c'est super important. C'est super important, en effet.
Ah. Tears of Legend, eh bien c'est tout de suite après une courte pause. On arrête un tout petit peu plus tôt, comme ça, ça permet à tout le monde de faire les setups. On passe à Tears of Legend. N'oubliez pas, c'est super important de suivre la chaîne Twitch de Gaming Live Rétro 1D. Si vous ne le faites pas encore, n'oubliez pas de liker la chaîne. C'est méga important pour retrouver évidemment les programmes que vous désirez et être prévenu en temps réel de début de chacune des émissions de la chaîne Rétro 1D, une chaîne eh bien, qu'il faut soutenir parce qu'elle est très très bien, tout simplement. Je vous embrasse tous très fort, merci d'avoir suivi ce coffre à Versus, on termine un peu plus tôt aujourd'hui. VOD disponible dans peu de temps et on laisse la place donc à Mister MV et toute son équipe et tous ses joueurs pour Tears of Legend. Bisous à tous. Couchasse aux commentaires. Giga Etienne en PLS chez lui ou pas encore? Ah oui. Est-ce que ça s'est terminé, Metal Chewbacca contre... Je crois, à la mort subite. Mais là, ce qu'il fait, Giga Etienne, il a fait n'importe quoi. Pourquoi? Ah, parce que je lui ai dit, on est en galère, on n'a qu'un plateau. Joue ton match tranquille, posé avec Tenkei en mumble, tu vois. Tu joues ton match et tu en même temps sur le créneau Tears of Legends. Mais ce qu'il fait au final, c'est que ce con, il joue son match tout en le commentant et en faisant avancer les personnages sur le tracker. Ah, comme ça, il perd bien du temps. Exactement. Et c'est impossible de gagner. Et il est en train de péter les plombs. Mais Isangwen est venu l'aider, semble-t-il. Ah, ben parfait. Merci, évidemment, à la réactivité de la chaîne Powerplay. Toujours au taquet. Toujours au taquet. On vous embrasse très, très fort. Donc, place au MV Gaming Show. Je vous retrouve demain pour je sais pas quoi. Des bisous. Ciao.